par équipe. Pas de prisonniers, camarades. Et salut les amis, on se retrouve sur MWR, donc voilà. Petit gameplay que je vous propose, donc petit massacre à la M16. Bon, vous allez me dire, oh mais jouer à la M16, c'est tellement facile, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Et oui, malheureusement, elle est ultra cheatée. Et comme la vie est basse sur ce mode affaire remasterisé, et bien voilà, vous tuez en une rafale quoi. Une rafale, hein. Vous prenez le sniper, par exemple le Barrette, si je me trompe pas, ou un sniper n'importe quel, de toute façon, je veux. Après, à part ce que les gens disent, bon, j'ai pas trop essayé. J'ai joué au snipe, mais je trouve qu'il y a beaucoup de hitmarkers avec le snipe. Voilà quoi. Voilà, c'est un peu abusé quand même, ce jeu là. Voilà. Pourquoi j'y joue pas beaucoup? J'y joue pas beaucoup sur ce Call of Duty là. Comme vous pouvez le voir, j'ai Mastodon encore. Donc les atouts de base. Voilà, j'attendais de débloquer tour de passe-passe. Et comme vous pouvez le voir, voilà, les mecs en face ils comprennent que dalle. Regardez, j'ai tué le mec en une rafale. Voilà quoi. C'est pas génial quoi. Bon, le jeu en lui-même est bon. Voilà, je retrouve vraiment les sensations de ce Call of Duty, là. Voilà, que j'ai pu connaître, bien sûr. Après, c'est bien de pas avoir toujours des Call of Duty futuristes. Hein. En l'ensemble, il est bon, le jeu est bon. Mais voilà, la communauté est pas géniale. Donc voilà, donc je vais pas revenir là-dessus. J'ai fini de spécial si vous voulez l'avoir. Un coup de gueule sur ma chaîne. Hein. Voilà. Donc vous pouvez voir deux petits campeurs qui campaient au snipe. Donc voilà, au fond de map. Voilà, deux petits campeurs que j'ai enchaînés. Que j'ai bien sûr tué à la M16 parce que tellement que c'est facile avec cette arme-là. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du gameplay. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce gameplay-là? Je débloque l'hélico qui me fait pas mal de kills. Après dans l'ensemble, voilà, pas voilà, y a rien bon, franchement de choses à dire sur ce Call of Duty là, à part que voilà, hein, moi je voilà, je sais pas, je le trouve pas comme l'original, franchement voilà, pour moi voilà, c'est pas, voilà, c'est bof quoi, voilà, y a rien que je puisse vous dire de plus sur ce Call of Duty là. Donc excusez-moi pour le commentaire un peu bref quoi. J'espère que le gameplay vous plaira, donc voilà. Je suis plus Infinity Warfare parce que pourquoi? Parce qu'Infinity Warfare, comparé à ce remasterisé, j'aime les jeux futuristes. Donc le futuriste ça me dérange pas, comme je vous le dis dans une précédente vidéo sur ma chaîne aussi. Le futuriste ça me dérange pas. Même si j'ai commencé sur le Call of Duty comme ça, les pieds sur terre, ça me dérange pas aussi. C'est sur le Call of Duty là que j'ai commencé, donc voilà, ça me dérange pas du tout. C'est bien de revenir dans cette époque là. Mais là, franchement, voilà, c'est plus la merde, quoi. Franchement, ça joue vraiment la camp en mort, quoi. Même sur Infinity Warfare, ça campe, hein, mais pas de ce sens-là. Pas de ce sens-là. Là, ça campe à mort, quoi. Je sais pas vous si ça campe, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça campe dans vos parties. Et moi, ça campe énormément. À chaque fois que je fais une partie, ça campe. C'est abusé, quoi. C'est abusé. Le mec au fond de map, il te met 2 balles à la M16, et le mec au sniper, tu joues avec le sniper, t'es obligé de mettre 2 balles pour tuer le mec parce que le mec il a mastodonte. Voilà quoi, voilà le bug quoi. Pour faire une collate, t'es obligé de mettre 4 balles pour faire une collate au sniper, et avec la M16 tu fais une collate en 2 rafales, même pas quoi. Donc voilà, il y a vraiment un problème quoi. Même à longue distance, vous mettez qu'une rafale à la M16 et qu'au sniper vous faites un hit marker. Donc voilà. Donc j'espère que le gameplay vous plaira les amis. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce Call of Duty là, à part que voilà, il est potable. Voilà, hein, il est vraiment potable, on peut faire pas mal de bonnes choses. Et après voilà, voilà, je vous ferai d'autres gameplays bien sûr sur le remasterisé. Donc je vous dis à la prochaine les amis, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, salut les amis, ciao ciao, bye bye.